vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, les vrais trésors là-haut, les sauveurs donnés. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers le ciel. Oui, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 33, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sciée aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile, qui est si bon
remercions, Père Saint-Dieu, pour cette grâce que nous avons encore ce soir. Et c'est vrai, nous sommes rassemblés pour pouvoir te louer et t'adorer, Père. Nous a donné cette grâce de pouvoir vraiment élever nos voix vers ton trône de grâce pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur. Nos cœurs se réjouissent toujours davantage, mon roi, lorsque nous avons cette désir et ces pensées, Père Tubissant Dieu, et cet appel de pouvoir te retrouver dans ta maison à toi. Nous te remercions pour ce moment béni que tu nous donnes. Merci aussi pour un lieu que tu nous as donné, Père Dieu, où nous pourrons nous rassembler, Seigneur, avec nos frères, avec nos sœurs. Que tu bénisses ton peuple qui est aussi si fidèle à toi et qui se rassemble à chaque fois que nous avons ce rassemblement, Seigneur. Bénis aussi tes serviteurs qui te servent aussi dans ces lieux, avec dévouement aussi, Père Saint-Dieu, tous ceux qui sont à chacun à son poste, mon roi, que ce soit l'interprétation, les instruments, audio, vidéo, et tout cela, Père Saint-Dieu, la chorale, tous ceux qui chantent pour ta gloire, Seigneur Jésus, notre précieux frère Christian. Seigneur, nous te remercions vraiment pour cette bonté, cet amour, Seigneur, que tu nous témoignes encore davantage, mon roi, voir avoir des instants où nous pouvons exprimer notre amour à ton endroit, au travers des chants et des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur encore pour ces jours, mon sauveur. Loué soit ton Seigneur encore pour tous nos bien-aimés frères et sœurs. Oh Dieu, qui sont aussi fidèles aussi devant leurs écrans, à pouvoir aussi être là en communion, parce que cet endroit aussi est leur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils y ont trouvé, Père Tubissant Saint-Dieu, la place que toi, tu as voulu qu'ils soient aussi. Qu'ils soient aussi bénis, mon roi, et fortifiés, Père. Et tous les nôtres qui sont aussi en déplacement, notre frère Rosario, tout cela, Père, nous avons prié, nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Tu gardes les nôtres, tu les protèges, Père Saint-Dieu, qui sont dispersés aussi, Père Dieu. Toutes les églises qui sont aussi en communion avec nous, Père Saint-Dieu, dans chaque lieu où se trouve aussi, Père Saint-Dieu. Seigneur, que tu le bénisses. Merci pour ta bonté, merci encore pour ton amour. Nous te remercions pour cela, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir et qu'il vous bénisse richement aussi ce soir. Et c'est toujours une consolation, une joie pour nous lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et aussi avoir des moments bénis où nous avons la communion avec notre Seigneur, sa parole et aussi la communion les uns avec les autres. C'est une joie quand même de pouvoir vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, c'est vrai, c'est une consolation. Vous savez, plus on se rapproche du Seigneur, plus on a le désir tout le temps de se retrouver. Et quand vous retrouvez vos frères et sœurs, c'est une consolation. Et c'est pour ça, et c'est vrai que la Bible a raison, parce que ce qui s'est passé dans le cœur de ceux qui nous ont précédés, c'est que le Seigneur a dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un désir profond de soupirer à pouvoir voir son frère et voir aussi sa sœur et surtout d'être ensemble d'un commun accord. Nous devons tendre à cela et soupirer à ce que rien ne soit au milieu de nous pour pouvoir nous diviser en quoi que ce soit, mais que nous ayons le sentiment de pouvoir être unis ensemble et d'un commun accord pour louer et servir le Seigneur. Notre objectif, c'est que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié et que sur la terre, effectivement, que son nom soit connu. Et c'est comme je parlais hier avec mon frère, et je lui disais, je lui donnais au palais parce qu'il avait aussi des choses qu'il voulait aussi. Alors je lui disais, mais en fait, c'est que nous ne réfléchissons pas ainsi. Je pense que c'est aussi ça que, c'est ça que Satan joue aussi. Et naturellement, j'ai dit, mais en fait, quand on réfléchit un peu, quelle est l'importance que les gens connaissent mon nom? C'est la vérité, réfléchissons un tout petit peu. Mon nom à moi servira à quoi à quelqu'un? Parce que je n'ai rien fait pour la personne. Parce que si c'est lui qui a fait quelque chose pour une personne, nous parlons en fait du salut en réalité. Il faut que celui-là qui a fait quelque chose pour cette personne, que celui-là soit reconnu par cette personne, que la personne le connaisse pour quand même lui dire merci. À reconnaître qu'en fin de compte, c'est dit que si j'ai vu aujourd'hui, c'est parce que tu as fait cela. Donc lui, il ne savait pas qui a fait cela. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc moi, je ne peux que faire connaître effectivement les noms de celui qui a fait quelque chose. Alors nous avons trouvé grâce de pouvoir le connaître, lui. C'est lui qui a vraiment fait quelque chose pour nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bon retour. Et c'est pour ça que quand nous nous retrouvons ensemble, je viens, j'ai dit, en tout cas, je dois tout faire pour savoir lui dire quand même à lui. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour ça qu'on doit instruire nos enfants. Leur apprendre pourquoi nous venons. Pourquoi nous prions. Pourquoi nous avons parfois des larmes, effectivement, quand son nom est cité.
Quand je vois, il me dit, mais maman, tu pleures tout le temps, papa, je me dis, mais c'est parce que tu ne peux pas te rendre compte la reconnaissance que j'ai à son endroit, ce qu'il a fait pour moi. Donc, mon fils, sache qu'il a fait ça pour moi. Et si aujourd'hui j'étais aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné la grâce. Donc, c'est-à-dire que c'est important pour que, quand nos enfants et que nous-mêmes nous venons, ils comprennent pourquoi nous chantons avec allégresse. Et même si à la maison, ils ont vu que j'ai eu des problèmes, que les huissiers sont passés, tout ça, mais maman arrive à l'assemblée, elle est tout le temps joyeuse. On comprend qu'il dit qu'il sait qu'il a trouvé. C'est lui qui le soutient dans toutes les difficultés, dans les problèmes. Quand il est triste, c'est lui qui essuie ses larmes. Parce que moi, je peux vous dire que Dieu vous fortifie, mais je ne consolerai pas ce qu'il y a à votre intérieur. Mais il n'y a que Dieu qui peut consoler dans votre intérieur. Alors nous sommes heureux de pouvoir réellement l'avoir. C'est pour ça, je prie que quand nous nous rassemblons, nous puissions avoir cet objectif ensemble. Et quand les cantiques sont intonés, nous pouvons nous tourner vers lui, lui dire, Seigneur, merci pour la grâce. Tu nous donnes de pouvoir vraiment chanter ton nom, même si je peux rester là seulement en train de pleurer pour ce que tu es. Oui, c'est aussi une consolation pour moi. Parce que personne ne pouvait le faire. Il a dit dans la prière. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et quand j'ai trouvé la personne qui peut faire tout pour moi, alors je ne peux que lui être reconnaissant. Et je n'avais pas de frères, il m'a donné des frères. Je n'avais pas de soeurs, il m'a donné. C'est vrai, un frère. Il nous a donné de vrais frères et de vraies soeurs. Il a donné aussi des hommes et des femmes qui nous aiment sincèrement, sans hypocrisie. Même s'il y en a deux, mais quand même, nous, on se focalise sur ceux-là qui nous aiment sincèrement. Et on voit ça. C'est la reconnaissance. Parce que nous savons aujourd'hui, je sais que si je suis malade, je sais que j'ai un frère. Je sais que j'ai, même si c'est un, même si, mais c'est quand même Dieu qui a fait cela. Et en vertu de cela, nous lui devons beaucoup de reconnaissance, effectivement aussi. C'est pour ça que quand aussi on nous apporte des requêtes aussi, au sujet de l'un ou de l'autre, et je prie de tout mon cœur parce que c'est d'abord ce que je veux, c'est que la personne soit rétablie pour qu'il glorifie le Seigneur. Ainsi, quand lui élève la voix, nous nous associons à sa prière. Il dit que cette prière-là soit comme la mienne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Seigneur écoute la voix. Et je m'associe aussi, je prie aussi, je m'associe à cela, je dis, entends la prière, parce que nous devons, je ne sais pas, nous devons être un dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous associons dans cela, et Seigneur, nous voulons, pourquoi je le veux, c'est pas pour qu'on dise que moi j'ai prié, c'est pour que ton nom, et je sais que tu es capable, c'est pour ça que tous ensemble nous te prions, pour que ta puissance se manifeste, ta gloire se manifeste, c'est-à-dire que dans cet élan de cœur, le Seigneur fera certainement. Dans le livre d'Ésaïe 55, nous lisons cela aussi rapidement. Ésaïe 55, voilà. Nous allons lire le verset 6. Ésaïe 55, verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Précieux Sauveur et tendre Père, tu es vraiment le roi. Oui, ta bonté vraiment nous sert d'appui. Nous te remercions vraiment pour ces moments bénis que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, de pouvoir être dans ta maison. Et aussi la grâce de lire aussi ta parole à toi, Père Saint-Dieu. Et nous n'avons besoin que de toi pour vraiment, Père Saint-Dieu, avoir une portion. Seigneur, aide-nous à pouvoir toujours avancer. Avancer et avancer davantage, Père Saint-Dieu. Et à pouvoir réellement aussi, Père Saint-Dieu, avoir encore plus de toi. Oui, Seigneur, béni soit ton Seigneur encore ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment une invitation, mais vraiment avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit de Dieu, parce qu'il nous l'a dit, comme nous le venons de l'entendre, il dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.
Vous voyez, c'est toujours... comment pourrais-je exprimer cela pour que nous comprenions tous? C'est de connaître, en fait, c'est Dieu que nous servons et surtout sa manière de pouvoir être et de dire. Comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, Dieu n'a jamais et ne cherchera jamais le malheur de qui que ce soit. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, déjà quand nous comprenons cela, nous devons avoir confiance. Et surtout réaliser que s'il nous parle, mais c'est toujours pour notre bien. Jamais Dieu peut nous parler pour que nous puissions être conduits dans la mauvaise direction. C'est impossible. Parce que ça n'a jamais été son objectif. Puisque depuis la création, lorsqu'il a eu à pouvoir déployer tout ce qu'il a déployé, c'était toujours dans le bien. Donc, effectivement que la parole de l'Éternel, il a lu, est droite. Et n'est pas détournée qu'effectivement que quand elle exprimait effectivement qu'il y a des détournants, quand Dieu dit quelque chose, il est droit, c'est clair et c'est précis, et ses intentions sont profondément justes, bons et droits aussi. C'est pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir la confiance profonde de l'intention de Dieu à notre endroit dans sa parole exprimée. Parce que le combat que nous disons, enfin nous répétons sur le combat que nous avons, lequel l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille, c'est toujours en fait la méfiance et le doute en rapport avec la parole de Dieu. Et ça, il faut que nous puissions être aguerris à cela, comprendre effectivement que chaque jour, que quand la parole est donnée, même quand tu prends la Bible, quand tu lis la Bible, la pensée qui viendra par la suite, c'est la pensée du doute. Parce que le diable, l'ennemi que nous avons, son objectif est toujours que toi, tu puisses douter ce que Dieu a vraiment des bonnes intentions. Par exemple, quand tu prends la Bible, lorsque tu lis effectivement aussi l'Écriture, effectivement, à ce moment, tu poses la question, est-ce que vraiment Dieu pense encore du bien de moi? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vraiment je suis agréable à Dieu? En fait, tout ce que Dieu fait, pour que toi, tu lui sois agréable. Donc, Dieu n'a jamais eu la pensée à ce que toi, tu lui sois désagréable. Alors, c'est-à-dire que tu t'assieds, tu prends, quand tu prends la Bible, d'abord, tu dois réaliser, effectivement, tu dis, c'est ça, c'est en fait, le Seigneur va nous aider dans cela. Que quand tu prends la Bible, mais ces livres, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est une invitation pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, parce que comme la Bible le dit dans le livre des Hébreux au chapitre 4, il dit que, qu'aucun de vous ne s'en trouve être exclu ou arrivé trop tard. C'est pour ça qu'il est encore dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une possibilité, c'est-à-dire qu'une porte est toujours ouverte. Oui, c'est la vérité. C'est-à-dire que personne qui a ce désir, parce que quand on a ce désir de pouvoir vraiment plaire à Dieu, être agréable à Dieu au fin fond de votre cœur, ne pensez jamais que Dieu va vous rejeter. Non. C'est pour ça qu'on nous dit, cherchez-le, mon frère, pendant qu'il se trouve. Parce que c'est une période de temps dans laquelle Dieu t'a placé, toi, et moi aussi, qu'on appelle la période vraiment favorable. Peu importe effectivement aussi les degrés dans lesquels les hommes sont arrivés à pouvoir atteindre ce qu'on appelle la dépravation dans le mœurs, dans tout ceci, dans tout cela, et que tu vois qu'effectivement, bon, il n'y a pas d'issue, toi, cherche l'Éternel, parce que pendant ce temps-là, c'est aussi les temps pendant lesquels le Seigneur, notre Dieu, se trouve. C'est pour ça qu'il dit que le méchant abandonne. Parce que Dieu ne veut pas que toi, tu restes méchant. Non. Parce qu'en réalité, la méchanceté n'est pas ta nature à toi.
pas que Dieu ne veut pas que cette chose-là reste effectivement. Même si on t'a collé cela, on a eu à pouvoir mettre un peu du plâtre à l'énerve, enfin, tu m'as dit, mais c'est ma nature. Non, quand Dieu t'a créé toi, quand il t'a fait toi, il n'avait pas mis la méchanceté en toi. C'est pour ça qu'il dit que le méchant, parce que cette chose-là, ça arrive à tout le monde, effectivement. La méchanceté, la nature, parce que ça fait partie, effectivement, de l'être humain, mais ce n'était pas dans l'homme. Donc, tu as la possibilité que Dieu t'a donnée de pouvoir abandonner cette voie-là en question. Et comme je parlais à mon frère l'autre fois, je dis, c'était samedi, il dit, Dieu nous a donné quelque chose de particulier. Ça, il faut que vous le sachiez aussi, afin que vous puissiez tenir ferme aussi. Les diables peuvent tout faire effectivement ainsi, et ça, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et à toi et à moi, c'est le libre arbitre. C'est le pouvoir, en fait. De dire, oui, je le veux, et non, je ne le veux pas. Si. Vous savez, le oui est un pouvoir. Il n'y a aucun homme, aucun frère, qui peut se mettre debout et dire que toi tu es ma femme, même si, comment il peut se tourner par terre, faire même des gigolos, tout ce qu'il veut. Aussi longtemps que toi seul, tu n'as pas dit ton oui. Parce que c'est ton oui, tu ne te rends pas compte seul. C'est pour ça qu'il faut que vous le sachiez aussi. Votre oui a un pouvoir. Aussi longtemps, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, bah, je vais donner ta parenthèse. Donc, vous avez un pouvoir, sœur, que Dieu vous a donné. Oui, c'est vrai. Tant que toi, sœur, tu n'as rien dit, le monsieur peut rôder, peut monter, peut faire tout, il peut même aller dire à tout le monde, et c'est la mienne, c'est ci, c'est là, pour ceci, mais tant que tu n'as absolument rien dit, j'ai eu des visions, j'ai vu des anges qui sont descendus, j'ai vu qu'il m'a dit ceci, même si les anges sont descendus. Non, c'est important que vous le sachiez. Tu as le pouvoir. Aussi longtemps que tu n'as rien dit, il peut même y avoir des étoiles qui pèsent nana, qui chèquent nana, nana. Aussi longtemps que tu n'as rien dit, le frère va danser. Non, parce que il y en a de ceux-là qui ne réalisent pas ce que c'est avoir une épouse, la grâce que Dieu leur a accordée. Ah oui, c'est vrai. À cet moment, il commence à jouer comme avec un ballon. Et souviens-toi. C'est ça le problème. Enfin bon. Donc, c'est quand toi, sœur, c'est pour ça, vous, sœur, vous devez comprendre, tu dis oui à la personne, eh bien, c'est fini, il a les droits. Ton oui, là, ça veut dire que tu t'es donné. Et la personne, maintenant, peut dire que oui. Maintenant, ils sont maintenant le pouvoir. Mais c'est vous qui lui avez donné. Parce que vous lui avez dit oui. Donc, avec les choses. Aussi avec tous ces démons ou quoi que ce soit, Dieu t'a donné à toi le libre arbitre. C'est un pouvoir que personne ne peut t'ôter. De dire oui ou non. Et ça, regardez même comment Dieu est tellement si juste dans tout ce qu'il fait, même en ce qui concerne la parole de Dieu. Jamais Dieu ne peut t'obliger à croire. Non. Tu as le libre arbitre de croire ou de se conformer ou de ne pas se conformer. Mais la parole est proclamée. C'est à toi de dire oui, Seigneur. Vous savez, je te veux, Seigneur. Il est mort, mais c'est à toi de dire oui. Tu le veux, tu me veux ou pas. Le libre arbitre. La liberté de pouvoir choisir. Ça, c'est l'indépendance que Dieu a donnée à l'homme. Alors, que les méchants abandonnent sa voie. C'est l'invitation. C'est le conseil, c'est aussi la parole. C'est de montrer que tu as la liberté, en fait. Tu as le pouvoir de dire, je ne le veux plus. Quand tu dis que je ne veux plus cette nature, elle ne va plus s'attacher à toi. C'est toi.
le méchant abandonne sa voie. En tout cas, Seigneur, moi, je ne veux pas être méchant. Tu ne veux pas être désagréable à tout le monde. Ce n'est pas possible. Je suis toujours quelqu'un qui est sur le bout des nez. On m'a toujours dit, non, ce n'est pas normal. Amen. Tu peux dire, non, ce n'est pas normal. Amen. Tu dois être doux, tendre, effectivement. Et tu m'instruis, tu me montres la voie du mécan. Même quand on me touche, le Seigneur, merci, parce que je dois supporter. Tu m'as pris à supporter. Pourquoi tu dois être énervé à tout moment? Ce n'est pas normal. Amen. Tu peux devenir doux. Méchant abandonne sa voix. Pourquoi toujours aller dans le voie où toujours il y a des situations, des problèmes, et tu es toujours un peu la cause de tous ces problèmes-là? Non. C'est quand c'était au moment de dire non, c'est pas normal. Je dois me sentir effectivement moi. Vous savez, comment on peut se sentir soi-même? Parce que c'est ça que nous désirons. Mais on se sent soi-même lorsqu'on se positionne dans les choses de Dieu. C'est ta nature en fait, la véritable. C'est à ce moment-là que tu te sens bien dans ta peau. Oui. Tu n'as pas besoin d'écouter qui que ce soit. Parce que tu te. Mais c'est la vérité. Parce que tu veux copier. Je parle du monde, hein. Parce qu'on va copier de ceci et de cela, de blablabla, parce que je vais ressembler à ceci. Mais en fait, pourquoi tu veux ressembler à celle-là? Parce que toi, tu n'es pas celle-là. Sois donc toi-même. Pourquoi tu veux copier ces messieurs qu'on appelle ici ces stars, comme on les appelle les étoiles? C'est parce qu'en fait, tu n'as pas toi-même une personnalité. Je veux avoir ce que Dieu a fait de moi. Je dois me sentir à l'aise dans ce que Dieu m'a placé. Il a fait de moi comme ça, il a trouvé que je dois être comme ça. Alors je le glorifie. Seigneur, tu es le maître. Tu es le divin potier. Tu as donné la forme qu'il faut. Tu as trouvé que cette forme ici te plaisait toi. Alors je me conserve comme toi tu veux. Vous vous sentirez bien à l'aise parce que le divin potier a donné la forme qu'il voulait. Plus de complexe. On est complexé parce qu'on se compare à l'autre. L'autre, je l'aime, il est bien comme Dieu l'a fait. Aussi, je trouve que Dieu, ce qu'il m'a fait, c'est aussi bien. Je ne dois pas me plaindre auprès du potier quand même. L'homme d'iniquité, c'est pas. Vous voyez qu'il est parlé iniquité, pensée. Maintenant. Parce que le méchant, c'est les actions. Bien sûr. Parce que, bon, je vous donne un exemple. Hein? Si tu restes muet, comment quelqu'un va dire que tu es méchant? Tu restes muet pendant un mois. Il est méchant, il est mauvais. Il vient. Il est toujours muet. Jamais l'assemblée est toujours muet. Je donne un exemple. Pendant tout un mois, il ne vous pose pas de problème. Toujours muet. Il va chez lui, il rentre, il y a l'assemblée. Puis c'est pour dire qu'effectivement, mais c'est quand il pose une action. Ah, maintenant on voit l'essence de l'action. Ça fait du bien à l'un ou ça fait du mal à l'autre. Donc si un acte qui pose effectivement et qui cause des problèmes, on dit il est méchant. C'est son action. Mais maintenant, qu'est-ce qui conditionne l'action de la méchanceté? C'est ça qu'on parle de celui qu'on appelle maintenant Satan, Lucifer, jusqu'à ce que l'iniquité est trouvée en lui. Quand l'iniquité est trouvée en lui, il a posé les actes.
nous devons toujours préserver. Garde ton cœur plus que toute chose, en fait. C'est de l'abondance du cœur. Si ton cœur est droit, tu n'auras jamais de problème avec quelqu'un. Parce que toi, tu ne seras jamais la cause de quoi que ce soit. Mais c'est peut-être les gens qui ont des mauvais cœurs, mauvaises pensées, que quand tu poses un acte droit, ils interprètent ça en mal. Vous voyez qu'en fait, nos pensées à nous, ce sont ceux qui déterminent effectivement beaucoup plus nos actions. Et ce sont celles aussi, nos pensées, qui vont nous conduire dans la mauvaise direction, en fait, et qui finissent à ce que nous soyons dans l'autre côté, c'est-à-dire en enfer. Souvenez-vous, quand le Seigneur a mis les premiers à sa droite, effectivement, et les autres à ta gauche, effectivement, il dit, mais quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu effectivement aussi. Vous vous souvenez? Puis on lui pose la question, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Avons-nous donné à manger? Avons-nous vu nu? Nous avons visité effectivement, on ne s'y rendait même pas compte. Mais en fait, ils étaient tellement droits dans leur cœur que les actes qu'ils posaient, c'était naturellement des choses justes. On avait, il va pouvoir poser. Mais tandis que les autres, quand j'étais malade, vous n'avez pas venu voir, vous m'avez dit, mais Seigneur, quand elle vous dit, mais chaque fois que vous l'avez fait à votre frère, donc il n'avait pas de pensée droite. Nous devons veiller à nos pensées. Parce que la plus grande bataille, vous savez, je me dis, c'est encore pour ça. Tu regardes ton frère, tu commences à penser. Il te parle, tu lui réponds, pas seulement parce que tu veux lui parler, mais tu réponds par l'imagination que tu as, il me pose la question parce qu'il pense comme ça. Alors que la personne lui pose une question droite, simplement. Tu combats dans les pensées. C'est ça qui nous détruit, en fait. Et ça brise la communion. Donc lui, il te parle droitement, toi, tu lui réponds. Dans la derrière, la pensée que tu penses qu'il a de la pensée, en fait, alors que tu ne connais même pas la pensée, qui est peut-être la personne est tellement droite et juste. D'où le combat entre vous deux. Tu dis, oui, comment bien, regarde, oui. Et puis tu vas dire, oui, je pense, quand il m'a pensé, moi, je pense, il pensait ça, hein. Mais en fait, en réalité, il n'a pas pensé ça. Nos pensées. Que l'homme d'iniquité s'est pensé. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, je vais m'arrêter, parce qu'il est 21h. Sanctifie-les par ta parole et voilà. Nous avons besoin de la sanctification. C'est-à-dire que Dieu rende pur et saint l'être intérieur à tout moi, du fait que quand il est sanctifié, hein, par la parole de Dieu, qu'est-ce qui va rester au-dedans de toi? Et que la pensée de la parole. Et dans les livres des Éphésiens, je pense au chapitre 4, nous lisons et puis nous allons prier ensemble parce que vous entendez. Éphésiens au chapitre 4, je pense que c'est cela aussi, si je ne me trompe pas, nous allons peut-être le trouver ensemble avec vous. Éphésiens au chapitre 4. Voilà, c'est quoi, c'est cela. Voilà. Voilà. Éphésiens au chapitre 4, nous lisons ici à partir du verset 17. Merci. Vous y êtes? Éphésiens 4, verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, n'est-ce pas?
ce que vous ne devez plus marcher comme le païen. Ça, c'est une séparation, une délivrance que nous devons avoir, mon frère et ma soeur. Et c'est vrai, il dit, les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Toi et moi, on ne doit pas être comme ça. Non, 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 non. Regardez bien, vous ne devez plus marcher comme le païen. Toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. C'est, la Bible dit, une race élue en fait, un sacerdoce royal, un peuple saint et mis à part. Tu ne peux pas te fourvoyer toujours à pouvoir avoir des vaines pensées et ceci et cela. Quand nous étions des païens, oui, ça s'agitait en nous et nous étions toujours des hommes, effectivement, comme la Bible le dit, effectivement, avec toutes ces pensées qui travaillaient, mais que Dieu nous aida. Et là, là où nous devons quand même avoir la réflexion, en fait. Puis comprendre, effectivement. Puis nous continuons à dire. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont donc étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, tu ne peux pas être comme ça. Nous l'avons reçu, nous le connaissons, nous l'aimons, nous prions, nous lui implorons la grâce. Nous avons réalisé ce qu'il a fait pour nous. Et aussi, il nous a accordé la grâce d'avoir son esprit en nous. C'est ça. Et cet esprit en nous qui témoigne sur lui, écrit « Abba Père ». Donc, Dieu est mon Père. Mm-hmm. Yeah. Nous continuons, il dit, ils sont donc étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Toi, tu n'es pas ignorant. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ton cœur n'est pas endurci. Non. Toi, tu ne peux pas être endurci parce que lorsque tu entends sa voix par sa parole, ton cœur est adouci, à toucher. Et puis même quand tu as fait quelque chose, tu entends la parole de Dieu et qui te reprend. Ton père te reprend, tu montes penche au côté en disant, oui, on a pensé du mal de moi. Mais non, tu dis, non, Seigneur, pardon, mais comment? Je n'avais pas parlé avec la personne, mais tu m'as parlé, Jésus, mon roi, que ton nom soit béni. Ça, c'est ta nature en tant que fils et fille de Dieu. Quand ton père te reprend, tu entends, tu sais que ça, c'est lui qui me reprend. Tu ne t'énerves pas en disant, voilà, je prends mon sac, je prends mon ceci, avec la tête, je m'en vais parce que, non, 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 non. Tu dis, Seigneur, merci quand même, tu as eu à pouvoir voir que dans mon cœur, c'était ça. Parce que personne ne le sait. Tu vas me dire, je ne suis pas ton cœur. Oui, c'est... Vous savez, c'est les caractéristiques, en fait, des enfants, c'est ça que... Faites très attention, jamais, et c'est très dangereux de se révolter contre la parole de Dieu. Oui, c'est... Et de pouvoir prendre des allures et des airs, effectivement, dis donc, moi, je ne veux pas, moi, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire. Mais en fait, tu t'es mis dans une mauvaise position, en fait. Si tu t'opposes à Dieu, qui pourra te défendre? Et si tu te, en fait, tu t'élèves contre lui, et qui pourra d'ailleurs te pardonner? Vous savez, la Bible dit qu'une personne qui est à droite, je dirais les méchants, par exemple, même quand il prie, lorsque tu te révoltes contre Dieu, en fait, hein, quand tu pries, la Bible dit que ta prière même est une abomination en fait, devant Dieu. Mm-hmm. C'était la Bible. Hein. Une abomination. Dieu, quand c'est une abomination, Dieu n'en tient pas. Tu peux prier, jeûner, tout ça. Ça ne sert à rien, en fait, il n'entendra même pas. C'est pour ça que quand nous prions, nous cherchons que Dieu nous entende parce que nous voulons lui exposer notre problème. Pas que ses oreilles soient dures, enfin oui, pour ne pas entendre la prière parce que pour lui c'est une abomination, en fait. Mais toi, c'est que la Bible nous fait comprendre, non, tu ne peux pas avoir un cœur endurci. Et c'est ce que le maître nous disait aussi dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, dit, madame, ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils croient, qu'ils se souvenez, non? Mais à vous, cela vous a été donné de connaître. Vous connaissez cela, non?
Alors nous continuons, il dit, ayant, verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la... La cupidité, c'est toujours l'amour de l'argent. Le Seigneur notre Père nous parle, le Seigneur des mains. Toi, ne sois pas quelqu'un qui a les mains comme ça. Ça ne sert à rien, ce sont des papiers qui vont de toute façon être utilisés, etc. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, ça tous, on doit apprendre cela. On doit apprendre. On sait, les diables, il est très rusé. On sait qu'on vit dans des moments difficiles financièrement, ceci, cela. Mais quand ton frère, quand ta sœur vient vers toi, qu'il a un problème financier que toi, tu as quand même. Ah, quand on touche là, ça devient dur et silencieux. C'est la partie la plus sensible. Il ne faut pas qu'on entre dedans. C'est très sensible. Frère, toi, tu ne te rends pas compte et on a eu des coups avec des frères, entre parenthèses, des sœurs, entre parenthèses, à cause de l'argent. Alors, depuis lors, moi, j'ai décidé. Plus, pour ne pas avoir des problèmes avec un frère. Plus. Humainement parlant, je vous comprends. Mais spirituellement parlant, je ne peux pas vous comprendre. C'est ça, précieux frères et précieux sœurs. Nous sommes un peuple différent. Oui. La partie charnelle doit être en dessous. Les spirituels au-dessus, en fait. Je suis appelé à... Toi et moi, nous sommes appelés à vivre les Saintes Écritures. Le diable nous combattra toujours à ce que nous ne puissions pas mettre la parole de Dieu en pratique. Vous pouvez apprécier les gens ne seront pas toujours contents de la manière dont vous appréciez, en fait. Mais ça ne va pas m'empêcher d'apprécier les gens. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit qu'il ne vous lassez pas de faire le bien. Toi, fais le bien. Le païen réagira exactement comme cela. C'est dit, tu m'as fait cela parce que tu dis que non, 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 non. Alors moi, maintenant, je ne veux plus faire comme ça. Mais si toi, tu ne fais pas ce que l'Écriture veut que tu puisses faire, tu fais exactement ce que Satan veut que tu fasses. En fait, il dit, mais tu as vu, tu as dit que ce sont tes enfants qui vont toujours faire le bien. Regardez, c'est parce que c'est les diables qui fait cela, en fait. Oui. Parce que les frères et les... Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On retourne ici. D'accord, non? Puis c'est mercredi, il est 21h, on va vite partir. Que Dieu vous bénisse, que tu es venu tellement de si loin. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Nous lisons, il dit, mais vous, verset 20, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est... Voilà. La parole de Dieu nous instruit et nous montre effectivement ce que nous devons faire et non seulement... Elle nous montre. Vous me suivez? Mais lorsque tu la crois, elle te donne la capacité d'accomplir les choses que les naturels ne peuvent pas accomplir. Un exemple que je donne, il dit
les uns les autres. Puis il continue en disant, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, charnellement parlant, humainement parlant, moi, je ne saurais pas le faire. Quelqu'un qui me déteste, quelqu'un qui répand des mauvaises choses à mon endroit, qui me maudit, par exemple, comment, moi, je peux arriver à pouvoir bénir cette personne? S'il me déteste, c'est difficile. Moi aussi, je suis un humain, je dois quand même remettre. Tu me détestes, je te prouve aussi que tu ne penses pas que je ne suis pas capable. Je lui montre aussi que, ah ben oui, c'est ma nature, elle est comme ça. Mais maintenant, on te dit, tu es censé pouvoir aimer cette personne. Et celui qui t'est maudit, qui t'est fait du mal là, tu dois prier pour sa bénédiction. Alors là, c'est de plus dans la capacité de l'humain. Maintenant, c'est la capacité de Dieu, en fait. C'est là que tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Ce n'est pas l'homme naturel qui est un fils de Dieu. Qui est... Non, 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 non. Non, c'est sûr et certain. Parce que vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs. Ce n'est pas le naturel qui est un fils de Dieu. Non. Parce qu'il nous a dit, faites dans un immédiat, à ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas le naturel qui l'a reçu. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés. Ah, ah. C'est-à-dire que le physique ici n'est pas encore né de nouveau à l'intérieur quand même. Il a toujours été comme ça. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui-là qui a la capacité maintenant de faire en sorte que ce qui est l'extérieur ici ne puisse plus avoir les dessus, en fait. C'est la nouvelle création qui est à l'intérieur, qui a maintenant la capacité de pouvoir aimer même celui qui déteste tout ça, en fait. Vous comprenez? Mais c'est ce qui est écrit, non? Comme sa divine puissance nous a tout donné. Ce qui concerne tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Par lesquels vous connaissez, non? Il dit qu'il nous a donné en fait que nous puissions voir cette, la nature divine. Nature divine au dedans de nous. Alors, nous avons donc cette capacité maintenant de pouvoir nous aimer vraiment. Donc, de donc après à vous dépouiller. Nous nous disons, nous terminons, puis nous prions sur le dernier. Il dit, mais verset 21 maintenant. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, vous savez, que vous avez été instruits à vous débrouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est comme ça chez vous aussi, non? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit donc... Voilà, c'est pourquoi renoncez donc au mensonge, que chacun de vous passe en la vérité à son prochain, car nous sommes... Donc, c'est-à-dire que quand cette... Le renouvellement a eu lieu en toi, vous avez la capacité de pouvoir dire la vérité, de pouvoir faire ce qui est juste à pouvoir faire, effectivement. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses pensées. Donc, mon frère et ma sœur, tu peux vivre comme un saint. Tu as la capacité, vraiment, même si on te donne un coup de poing, le naturel veut réagir, le surnaturel prend place. Seigneur, on t'a giflé, tu n'as pas répondu.
pourquoi tu réagis comme ça? Mais c'est parce que le Seigneur est en toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de pouvoir voir le Seigneur en nous. Oui. Cherchez le Seigneur pendant qu'il s'y trouve. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Hein. Si toi, mon frère, si toi, tu as vraiment le désir de pouvoir vraiment la voir, parce qu'il dit, mais je veux supporter, parce que je sais que le monde ne sera jamais gentil pour moi. Je sais que l'être humain ne sera jamais gentil pour moi, Seigneur. Mais pour que je puisse vaincre, je voudrais vraiment que tu m'accordes la grâce, que toi, tu sois en moi, puisque c'est toi qui as supporté cela. Sois en moi. Alors de tout mon cœur, je voudrais que tu sois en moi. Il va le faire. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous sommes approchés de ton trône de grâce et de miséricorde pour te dire merci. Merci encore pour ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et la joie et la grâce d'être dans ta maison, de pouvoir réellement avoir cette communion avec ton peuple, et surtout avec toi et autour de ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous as dit que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, mon bien-aimé Père. Chaque fois que tu nous instruis, nous voulons vraiment garder dans le cœur, Père du Saint-Dieu, dans l'esprit, dans la pensée, pour que chaque fois que nous revenons ici, Père Saint-Dieu, nous soyons encore beaucoup meilleurs, Père Saint-Dieu, que ce que nous étions auparavant, Seigneur Jésus. À quoi ça serait-il, Père Tibi Saint-Dieu, que nous puissions avoir, Père Tibi Saint-Dieu, la grâce de pouvoir t'entendre et de nous laisser simplement passer cela et de toujours continuer encore dans notre vie. Seigneur, aide-nous, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous voulons qu'à le lendemain, lorsque nous allons nous retrouver encore ici, Père Saint-Dieu, nous soyons meilleurs. Tu nous apprends comment combattre davantage, Père Saint-Dieu, à comment devenir encore meilleur. Meilleur, mon bien-aimé Père Dieu, au travers de ce que tu nous dis. Parce que quand tu nous le dis, tu donnes aussi la capacité, bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir arriver à pouvoir être comme ça. Parce que ta parole à toi est la vérité. Nous l'avons entendu. Oh, Père Saint-Dieu, lorsque tu dis et la chose arrive, Père Saint-Dieu, quand tu ordonnes, elle existe aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui, de pouvoir encore continuer à avoir travaillé dans chacun de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'arracher, d'ôter, Père Tibi Saint-Dieu, dans notre subconscient de mémoire, les choses qui ne sont pas bien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, toutes ces pensées, Père Saint-Dieu, que nous gardons à l'endroit des uns comme des autres, mon bien-aimé Père Tibi Saint-Dieu, l'imagination que nous avons, Père Tibi Saint-Dieu, lorsque nous parlons avec l'un comme l'autre, Père Tibi Saint-Dieu, je te demande grâce, puisses-tu vraiment nous aider à ce que nous soyons purifiés, libérés de cela, mon bien-aimé Père Tibi Saint-Dieu. Seigneur, Dieu, tu es venu pour libérer les captifs, mon bien-aimé, Père Tibissant. Nous voulons avoir un cœur pur, Père Tibissant, Dieu, et Père Tibissant, sanctifié aussi, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu, le pensée, l'âme, Père Tibissant, la conscience, le subconscient. Nous voulons vraiment avoir la paix avec tous, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Seigneur, que toutes ces pensées aussi vaines soient, Père Tibissant, Dieu, au terme de nos Père Saint-Dieu. Seigneur, nous voulons être un peuple uni, un peuple saint, mon bien-aimé, Père Tibissant. Nous voulons vraiment chercher d'avant ta face, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu viennes habiter en nous, Père Tibissant. Dieu, Seigneur, nous sommes fatigués de nos pensées en nous qui se combattent, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment avoir la paix dans notre pensée, la paix dans notre esprit, bien-aimé, Père Tibissant, la paix dans notre cœur, Père Tibissant, Dieu, la paix avec notre don, Père Tibissant, notre poison, Père Tibissant. Seigneur, aide-nous, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, à cause de ton Seigneur, Père Tibissant, Dieu. Tu as toujours été un homme de paix. Et toi, nous, Père Tibissant, Dieu, que la paix soit à nous, dans notre pensée, dans notre cœur, notre imagination, bien-aimé, Père Tibissant, la pureté aussi, Père Tibissant, Dieu, la sanctification, mon bien-aimé, Père Tibissant. Nous venons pour être meilleurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Pas être pire, mon bien-aimé Père Tibissant, sautant avec des cœurs brisés, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais nous voulons te recevoir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu encore aider, Père Tibissant Dieu. Puisses-tu encore nous fortifier, mon roi. Nous savons que notre adversaire est un héros, Père Tibissant Dieu. Cherchant qui devrait, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais tu nous as armés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as fait de nous un père, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Continuons encore davantage, mon roi. Garde ton père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Garde nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu. Vois, ils persévèrent. Chaque jour, mon bien-aimé Père Tibissant, ils vont à l'école le matin très tôt, ils reviennent, Père Tibissant, Dieu, la journée n'est pas si facile, mon bien-aimé Père Tibissant, nos jeunes sœurs, nos enfants, Père Tibissant, sauveur béni, que tu te souviennes de ces enfants aussi, bien-aimé Père Tibissant, nos frères qui habitent loin, qui viennent, oh Jésus-Christ, nos sœurs aussi, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, Seigneur, garde-les sur le chemin, mon roi, protège Père Tibissant, Dieu, récompense, mon bien-aimé Père Tibissant, qu'ils rentrent avec la paix, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, ils rentrent avec toi, bien-aimé, dans leur cœur, Père Tibissant, Dieu, et qu'ils vous soient apportés aussi la paix dans leur maison, dans leur foyer, loué soit ton Seigneur mon roi, à cause de ton Seigneur mon roi,
bénis ton peuple. Seigneur, viens-nous encore en aide. Nous te voulons, Père, pour nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Tous ceux-là que tu nous as donnés, bénémoine, Père Tibissant, qu'ils vivent cette épreuve avec toi, bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Qui changent complètement leur vie, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Donne encore la soif davantage, mon roi. Seigneur, bénémoine, Père Saint Dieu. Au courant aussi leurs efforts, mon bénémoine, Père Tibissant. Nous te demandons grâce, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Seigneur, purifie-nous et nous serons purs, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi et honneur à toi. Nous te demandons cela, Père Saint-Dieu. Oui, Père oh Dieu, vivant pour ta gloire, mon Sauveur. Nous en avons besoin, mon Sauveur. Et c'est avec un cœur sincère, mon roi, que nous te demandons cela, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oui, nous savons que le combat est là. Tu as dit que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. J'ai vaincu le monde. Nous voulons rester dans ta paix, dans ta victoire, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Je te demande grâce, mon roi. Oui, agis encore dans nos pensées, Seigneur Dieu, dans ce que nous sommes, mon roi. Béni sois-tu. Pardonne et soutiens, Père Dieu. Guéris ton peuple, mon roi, et béni soit ton Saint-Nom. Louange et honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Merci. Ce beau